Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit haul action. Alors j'espère que tout le monde va bien, nous ici ça va. Moi bon, j'ai été très fatiguée donc pas de vidéo. Ah, et puis il fait encore très très chaud chez moi donc c'est la galère pour filmer quoi. Donc voilà. Donc je pense reprendre, bon là j'ai un rendez-vous que j'attends avec impatience parce que bon ben voilà, il faut absolument que je le passe pour, parce que je pourrais me faire en fait, donc voilà, on va commencer tout de suite et on commence donc par le non-scrap. Comme d'habitude, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris en non-scrap. Et puis après, voilà, vous resterez avec nous pour le scrap, enfin le loisir créatif, ou sinon, bye bye, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, j'ai acheté donc ces couteaux, donc ce set de couteaux, donc dedans, bien sûr, il y a un couteau à pain, hein. Donc celui-ci, c'est pour émincer, hein, voilà. Donc après, tout ça, ceux qui connaissent, hein, voilà. Donc j'ai trouvé que pour 6 euros et des boîtes, il n'était pas très très cher. Alors moi, c'est pas de la céramique, hein, celui-là, c'est de l'émail, voilà. Donc je sais même pas si c'est signalé par là, quelque part. Ouais, couteau de chef, couteau à pain, couteau à découper, couteau tout usage, couteau d'office, poignée, lame à revêtement, anti-adhésif noir. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Parce que moi, déjà mes couteaux, certains, j'ai payé beaucoup plus cher que ça. Un couteau. Hein. Alors, le non-scrap. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant? Alors, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc je vous montre les produits que je prends d'habitude, hein. Sauf celui-là, c'est rare que j'en prenne. Alors ce que j'ai trouvé et qui était en... je l'ai voulu absolument, c'était ça. Ce sont des petites sauces en fait, même pas, moi j'appellerais ça des arômes. En fait c'est pour mélanger à vos gâteaux, tout ça, non? Voilà. Donc caramel salé, chocolat et caramel tout court, voilà. Donc ça vous mélangez normalement dans une... Vous pouvez le mettre dans du café, eux ils marquent que c'est pour le café. Make your favorite coffee at home. Mais bon, voilà, bon, vous pouvez donc en mettre... je cherche le français, c'est assez pénible quand on doit chercher en français. C'est voilà, sirop au goût chocolat, ne contient pas d'alcool, donc vous pouvez vous en servir pour aromatiser vos gâteaux. Et j'ai pris celui-ci aussi, donc amaretto, vanille et hazelnut. Alors hazelnut c'est noisette, hein, tout bêtement, voilà. Et c'était les deux derniers qui restaient, donc j'ai eu un peu de... Ensuite, toujours pareil, notre mon déodorant favori, Dove. Celui-là, je ne vous le présente plus, hein, le Air Fraîcheur. Il est sublime, franchement, c'est trop trop bon. Voilà. Ensuite, ils ont mis donc des 60 litres, jusqu'à maintenant il n'y avait pas, il n'y avait que des 50. Enfin, dans le nôtre, hein, de... Voilà, donc à chaque fois, ben, on les prenait à 10. Hein. Ensuite, ils ont mis dans les petits sachets comme ça, parce que nous, c'est les ramasse-crottes pour notre grosse Bertha. Et c'est des 5 litres. Voilà. Parce qu'avant, on prenait des 3 litres, et là, ils ont mis donc des 5 litres pour une fois. Donc, il y a bon banania. Et ouais, c'est pas une chihuahua, hein, donc ensuite j'ai pris donc une crème Nivea pour les instants frais qui vont arriver, donc
Apparemment, elle, c'est pour le corps, hein. Pour le corps. Voilà. C'est quand on sort de la douche. Ensuite, mon mari s'est repris son petit déodorant. Il aime bien celui-là. Il le voit, ça va, il sent bon. Alors, Stabil, hein, c'est pas. Nous, ça fait longtemps qu'on ne prend plus. Moi, de temps en temps, je prends le Dove, mais j'en ai d'autres habits aussi. On essaye de ne pas prendre avec du gaz, mais bon. Alors, celui-là, c'est le même. Air fraîcheur. Ensuite, on a pris ces gentilles petites recharges à 1,49€, je crois. Enfin, franchement, c'est une marque. Et ça sent très, très bon. Parce que les Airwick, c'est 3,49€. Hein, donc, voilà. Donc, celle-là, c'est la même contenance. Et elles sont magnifiques. J'ai repris donc mes sacs, mes sachets, toujours pareil, hein, 25 en 1 litre et 25 en 3 litres. C'est des zips en fait, c'est fabuleux ça. Ensuite, on a repris nos bonbons sans sucre. Ça sent très très bien aussi. Et on a profité pour acheter nos bougies mémoriales, puisque au mois de novembre on va aller sur les tombes de nos parents. Donc voilà. Voilà, bah, écoutez, pour le non-scrap, c'est tout. Donc il faut retenir le plus intéressant, c'est ça. Ce sont les petits sirops là, qui étaient vraiment pas chers. Donc je crois que c'était zéro. J'ai pas pris le ticket, mais je crois que c'est zéro. J'essayerai de vous le mettre au montage. Je crois que. Ah ben il est là, bon. Attendez. Je viens de le trouver. Mais sirop café, voilà, 2,49 les 3. Ça va. Il y a quand même combien là-dedans? Il doit y avoir 45 millilitres. Ça va. 2,49. Je les paye bien plus cher, moi, les arômes. Hein. Les arômes. Allez, donc voilà, écoutez, pour celles qui ne regarderont pas le loisir créatif, ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, ou pour bêtement regarder ma chaîne, hein, je ne sais pas. Voilà, et puis nous, on va attaquer donc le scrap loisir créatif. Il n'y avait pas grand-chose, hein, je vous dis franchement. Il y avait un sacré monde, ça c'est sûr, parce que j'avais oublié qu'on était mercredi. Et bien sûr, le mercredi, ben, les gens ils restent pas chez eux. En plus, nous, avec le soleil qu'il y a, ils étaient tous dans les magasins avec les gosses, hein, le secours. Donc nous, on a tout pris et on s'est taillé. Voilà, donc ça c'est fait. On passe au scrap. Alors, le scrap, c'est pareil, il y a des tags, des choses, certaines choses que j'ai vu passer déjà chez les copinettes, alors notamment ces petites peintures là. Donc, watercolor, alors ils mettent pas si c'est aquarelle ou pas. Donc, moi je les aime bien, j'ai les offres aussi qu'on avait pris, qu'il y avait eu l'année dernière. Voilà, celle-ci dans le rose. Et celle-ci dans le orange, jaune, noir. Voilà. Alors c'est du métallique apparemment. Ça c'est marqué. Là c'est watercolor métallique aussi. Et métallique aussi. Voilà. Donc ça c'est tout métallique. Ensuite j'ai pris donc les washi. Alors je pense ne plus les présenter. Tout le monde les a vus dans les autres. Je pense. Ça c'est plus que certain. Ah, c'est scotch là. C'est trop dur à ouvrir. En fait, il y a double truc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a double. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc je vous les montre un petit peu plus en détail. Donc ici. On a celui-ci avec des petits ours. Il est assez rigolo. Je vais vous montrer ça. C'est pas mal.
des petites chaussettes, des petites boules avec des petits bonhommes de neige et compagnie. Ici, c'est Santa Too From, c'est pas mal ça. 25D, 25 jours. Voilà, ici c'est une zigzag. Ici c'est des feuilles de houx. Hein. Des petites étoiles et le doré. Voilà. Alors je comptais pas en prendre, et puis tout compte fait, j'en ai pas beaucoup de washi de Noël. J'ai dit si j'en ai besoin, ben, je suis chocolat, j'en ai pas. Donc du coup, j'ai repris. Alors, ensuite j'ai pris, donc toujours dans le. Dans les bolducs, là, cette fois-ci, j'ai pris cela. Moi, j'aime bien en avoir pour les cadeaux et tout. Différents. Voilà. Ce n'est pas bien. Ça, c'est 0,49, je crois. Il me semble bien. C'est pas très très cher. Là, ensuite, j'ai pris donc des pochoirs. Pour une fois qu'il y en avait. Donc, c'est des A5. Donc, j'ai pris cela. Alors, vous allez voir, il y a tout. Bon, cela j'en ai, hein, mais je veux dire, quand ils sont usés, après, ben, on les jette. Hein, voilà. Donc, il y en a 4 dedans. Celui-là, c'est l'alphabet et les chiffres. A5 aussi. Et celui-ci, donc, qui fait les bannières, un peu tout, quoi. Voilà. J'ai trouvé ça pas mal, original. Et des fois, on a besoin de juste de nombres. C'est compliqué, il faut sortir la machine, découper. Et blablabla, voilà, c'est trop compliqué. Alors, donc, sur le papier, un ciseau. Pointu. Voilà, un petit ciseau. Parce que le mien, il ne coupe plus. Ça, je l'ai repris, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon petit-fils. Parce que le sien, sa boîte. Il emmène de partout, donc il y en a certains qui n'écrivent plus. Tellement il dessine, il dessine, il dessine. Alors j'ai pris un petit, je l'ai trouvé très très joli celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a du. Oui, il y a un petit foil là-dessus, vous allez le voir. Là. Petit point rouge. Celui-ci aussi, mais c'est très très discret. Hein. C'est des petits points rouges en fait. Hein. Et ici, là. Les fleurs, voilà. Je trouvais qu'il était mignon. Celui-là aussi, dans les fleurs, pas mal. De très jolies fleurs. Voilà. Après, il faut en avoir l'utilité. Moi, je sais que j'en ai l'utilité, donc voilà. Les emplissements. Pour... Celui-ci aussi, très joli. Avec le foil et je pense que celui-là un peu trop foncé à mon goût mais il est pas mal. Celui-ci est très joli aussi. Je vous montre la couverture. C'est ça. Vous des fois c'est Flower Collection avec glitter. Ensuite j'ai j'ai pas pris grand chose hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose je veux j'ai pris donc un bloc de luxe j'ai pris celui-ci parce que l'autre fois quand j'ai été il n'y avait pas grand chose hein, donc j'ai pris celui-ci avec la maison en peine d'épices voilà. C'est Joy voilà. Donc il est pas mal aussi hein. Je vais vous mettre de loin comme ça vous allez voir alors ça ce sont, je vous montre comme ça, de toutes petites étoiles. Hein. Bon, ça. Là, ce sont des sablés, des petites maisons. Ça, je vois pas que ça fout là, mais bon. Voilà. Celui-ci. Maison une épice très jolie ça ouais, j'ai trouvé qu'il était intéressant celui-là voilà. Et voilà pour celui-là
Après, j'ai pris un Papercraft 16, il n'y avait plus grand-chose, il y en avait, mais bon, c'était pas. Voilà, donc ce qui m'a plu, c'est les petits lapins, les petits. Voilà. Donc, je vais vous montrer comme ça, non, je vais vous montrer là. Voilà, ici. Donc, ici, on a tous les die-cuts, il y en a 4. Là, vous avez tous les A4. Voilà. Et ici vous avez les A5 avec ils sont assez jolis ceux-là, ils sont même très très beaux. Je les ai pris par rapport à ça. Hein. Ici on a les tags et ça c'est des stickers. Et en plus il y a une snowflake, des petits sequins en petit je sais plus comment ça s'appelle en français. Snowflake. Voilà. Donc ensuite j'ai pris donc ce bloc, alors je vais vous le passer comme ça, alors c'est le grunge feeling, voilà. Je suis en train de me cuire en plein canard, je vais vous le passer comme ça vous voyez le recto et le verso, je l'ai vu qu'une fois je crois ou deux, je sais même pas si je l'ai vu celui-ci. Et bon, il y a beaucoup de feuilles qui ressemblent. D'ailleurs, j'ai vu d'autres blocs là-bas qui ressemblaient ou à des blocs qu'on avait déjà eu, notamment celui-ci, cette page. Bon, après, c'est pas grave. Mais bon. Carte postale. Bon, il est pas mal. Il est vintage. Hein. Bon, j'aime bien. Voilà. Sans plus, quoi, on va dire. Hein. Voilà, en ce moment les blocs c'est pas trop ma tasse de thé, ils sont pas beaux, moi ça me plaît pas, c'est tout moderne, c'est non, je sais pas. Bon bref, voilà. Et ensuite j'ai pris ceci, donc c'est pour faire du 3D je pense, hein. J'essaye de trouver, créer votre propre paysage en couche, donc c'est bien ça, c'est du 3D, donc c'est pas mal, j'aurais voulu trouver des... comme ceci là, les rectangulaires, mais j'ai pas trouvé pour mettre dans le colis de mon petit-fils, il l'aurait fait lui, et bon voilà, on n'avait pas, donc j'ai pris que celui-là, pas acheté pour stocker, c'est pas la peine. Et pour mon petit piou-piou, j'ai pris de la pâte donc à modeler, donc je sais pas si certaines la connaissent, si elle est bien, pas bien, donc samedi on va faire avec mon petit bébé là, on va faire de la pâte à modeler, on verra bien, hein. Si ça marche, ça marche pas, voilà, pour des raisons de sécurité, j'ai enlevé tous les emballages, je les file, oui, c'est blabla ça, donc voilà, c'est bien parce qu'il y a des petits moules sur les couvercles, et c'est quand même pas mal, alors ça, je sais pas du tout comment ça vaut, d'après moi, c'était pas, oui, quand même, hein. Ah si, c'est 1,99. Non, c'est pas possible. Creative Kicks, pâte à modeler. 5 pièces divers. Ah oui, il y en a 5. Je crois qu'il y en a plus. 140 grammes quand même. Hein. Donc c'est vraiment pas cher. 1,99. Voilà. Pas mal, hein. Alors par contre, ça, là, c'est 2,29. Hein. La sénate là. Donc bloc de dessin, pochoir. Les pochoirs sont à 0,64. Donc ouais. Voilà. Je regarde combien il me reste de temps. Ça va. Parce que. Alors les aquarelles métalliques, ce que je vous ai montré dès le début, en fait, ceci. Donc ça sont à 1,45 quand même. Voilà. Le petit ciseau est à 0,68. J'ai pris une laine noire parce que souvent je suis en panne. J'ai pris une médium. Bon, elle passe partout, vous savez, pour faire le nez, les yeux. Quand je tricote, je cherche aussi. Donc les bobines de ruban Noël, oui c'est ça, la beige 0,49, non c'est 0,75, ceci, les bolducs,
0,75. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous donner? Le Dove, il est à 1,59. Kit de bricolage papier d'hiver, c'est 1,99. Oui, ça, c'est les papeurs. Cette paper. C'est ça. Les washi 1,99. Ensuite, on a quoi? La Nivea pour le corps, tiens, elle fait 2,49. Voilà. Donc, écoutez, c'est un tout petit, mais vraiment tout petit. Oh, attention. Ah, j'ai acheté des cartes aussi. J'ai acheté un lot de cartes pour leur ami. Parce que les nôtres, ben, elles arrivent au bout, quoi, elles sont fatiguées. Hein. Donc j'aime bien parce que le petit étui en plastique, et je vais récupérer la boîte, les deux boîtes, pour mettre mes petits mots. Et voilà. Ben écoutez, sur ce petit haul action, je vous dis à bientôt. J'espère que je vais pouvoir recommencer à scraper. Bon, je scrape quand même, hein, ben, toujours pareil, par petites touches. Voilà. C'est assez compliqué. Et je fais pas plus de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, ça passe vite, 10 minutes, un quart d'heure. Hein, voilà, donc ben écoutez, j'espère que vous serez tous en forme. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous surtout. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.